2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques suivants. Sur 144 tests réalisés, 14 sont revenus positifs. Il s'agit de 11 cas importés, de 2 cas contacts suivis par nos services et d'un cas issu de la transmission communautaire. 2 patients hospitalisés à Touba ont été contrôlés négatifs et guéris. L'état de santé des patients hospitalisés à Dakar, Touba et Ziguinchor est stable. À ce jour, 119 cas ont été déclarés positifs, dont 11 guéris et 108 encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Nous avons une situation où, aujourd'hui, nous avons communiqué numéro 26. Aujourd'hui, 27 mars 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a donné le résultat ou examen de l'Institut Pasteur. Si nous avons un examen et que nous avons un wax nañ né fukk ak ñent ñoo ci positif ci témèr ak ñen fukk ak ñent ci fukk ak ñent yoyu 11 yi ka importé lo moy ka bu joggé bitim réew ñew ñaar yi ka contact la yuñ doon suivre ci contact yi benn bi nak transmission communautaire la. Nous leen di yeugal ne si ñu doon fajj ci Touba amna ñaar ñu ci wër be tay dañ leen genné ñi ñu hospitaliser Touba fi ci Dakar ak Ziguinchor ñu leen di yeugal ne ñi ngi am tan bu baax tay fi ci Sénégal bu ñu xaymé man lañ wax ne témèr ak fuk ak ñent ka lañu déclarer positif bu mbir mi commencé ba légui ci témèr ak fuk ak juroom ñent yoyu. Nous avons dit que 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 l'hospitalisation est le ministère de la Santé et de l'Action sociale nous avons dit demander aux populations sénégalaises de respecter les conseils et les conseils pour que nous puissions faire des choses.